réécouter Ferrat. Parce que Ferrat, c'est quelqu'un qui nous manque. Alors je me suis dit, voilà, comme il est mort il y a 9 ans, eh bien, on va anticiper et on va l'écouter. Alors c'était il y a une petite trentaine d'années déjà. Nous étions à Baltard. Il y avait des chanteurs que vous allez reconnaître qui étaient là pour lui rendre hommage. On avait tous chanté avec lui La Montagne. Jean Ferrat. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la pomme de chèvre. À vous. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol mirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains sur leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances sont sortis. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle